Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Très heureux de vous retrouver pour l'épisode 3 et le combat contre le fameux boss qui n'est rien d'autre que Cthulhu. Donc, pour l'affronter, donc j'ai créé cette petite arène donc pour me déplacer facilement dans l'air. Vous voyez deux feux de camp pour augmenter la régène et les shurikens achetés donc à Mortimer et pauvre Potina. Et c'est parti. Donc, 2800 points de vie. C'est le boss le plus faible, je pense, en termes de points de vie. Et d'accord, j'arrive plus à esquiver. Donc, faut savoir pour créer donc l'objet pour l'invoquer, donc il faut avoir en sa possession 6 lentilles. Et donc, la technique, donc c'est de simplement lancer des shurikens au centre de l'œil, puisque lorsqu'il invoque chaque fois un petit sbire, bah, ça le tue automatiquement. Donc il possède deux formes, la deuxième sera activée lorsqu'il ne restera plus que 1400 points de vie. Voilà. Ça se passe tranquillement, simplement à martyriser le bouton de la souris gauche. La musique est plutôt cool, je trouve personnellement. Petite potion pour. Enfin, faut que j'évite de rester dans le coin. Enfin, à se concentrer sur les esquives parce que c'est pas fameux depuis tout à l'heure. Donc, plus que 260 points de vie et change de forme. Donc faut savoir que la différence entre ces deux formes, donc la première forme donc, que vous voyez ici, il a une moyenne de 10 en attaque et de 10 en défense je dirais. Et puis lors de la deuxième forme, les 10 points de défense se convertissent en 10 points d'attaque. Donc on lui fait plus de dommages certes, mais il nous en fait plus aussi. Voilà, plus que 216 points de vie et il change de forme. Et le vrai combat va commencer. Et lorsqu'on l'aura défait, donc on aura quelques items assez pratiques, des items de potions, des chapeaux, mais le plus important, donc le minerai dont je ne parviens pas à me rappeler le nom, mais qui donne accès à de vraies armures, la Shadow, et à de vraies armes aussi. Ça va être pratique. Et voilà, là il change de forme. Voilà. Donc son pattern change aussi, il faut savoir qu'il charge 3 fois. Comme ceci. Hop. Il suffit simplement de faire le balai aérien avec lui et ça passait. Il suffit que je dise ça pour que. Pas le quoi. Il a combien? 809. Ça devrait aller. Faut savoir que si le jour se pointe, le boss disparaît, et si vous mourrez, il disparaît aussi, donc c'est assez problématique. Surtout que je n'ai que 100 points de vie, donc il y a 15 minutes de jour et 9 minutes de nuit chaque fois. Donc faut bien calculer le moment où vous l'invoquez. Hop, 400 points de vie, allez. 300 même, 340 et quelques. Ça devrait passer. Je pense qu'il y a moyen d'en faire deux par nuit. Et voilà, le succès donc.
Et hop, on récupère tout ça. Les shurikens en trop. Vous avez remarqué donc le magnifique chapeau, donc j'ai simplement mis en cosmétique. Je garde toujours l'effet du mineur, mais en ayant l'air un peu, encore un peu plus con. Voilà. Et on va voir ce qu'on va pouvoir aller fabriquer avec ce qu'on vient d'obtenir. Donc voilà, donc je pense que c'est une des techniques les plus faciles. Donc si vous n'avez pas beaucoup d'objets en début de jeu, vous souhaitez quand même farmer le premier boss en boucle, je vous conseille donc cette technique, donc une petite arène super moche comme ça. Et des plateformes et hop. Donc il faut donc aller donc transformer. On a reçu donc le masque de Cthulhu. Ah ben voilà, là on ressemble à quelque chose. On a reçu quoi d'autre? Donc 26 potions de soin. Donc le minerai dont je vous parlais tout à l'heure, la Crimtain. On a reçu ceci. Je ne sais pas trop à quoi ça sert. On va convertir tout ça donc en minerai. Ici. Ah bah seulement. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça yo-yo. Et voilà, donc le premier que j'ai commencé à fabriquer, je pense que c'est ça. La hache. La hache, puisque je pense, si je me rappelle bien, que comme on sera ici, non seulement en plus donc de jouer le rôle d'arme, je pense qu'elle permet de, ouais c'est bien ça, hop là. Alors voilà, c'est une chose de faite. Donc pour l'armure, j'ai à me renseigner, donc il faut donc battre le deuxième boss qui donne un autre objet et utiliser donc ces deux matériaux pour fabriquer l'armure. C'est dommage, on va toujours rester avec cette armure en bois qui donne un poids de défense. Encore un petit temps, mais je vais voir ce que je peux faire d'autre. Donc je vais faire l'arc, peut-être. Oui, bah, j'abrasse 10 barres. L'épée, elle fait 10. Bon, écoutez, on va faire l'épée. De toute façon, je vais farmer le boss en boucle histoire d'avoir un petit nombre de barres en réserve. Et donc, elle fait quoi là? Plus 9% de dommages et celle-là, rien, dommage. Et alors voilà. Avec ça, ça va être un peu plus facile, je pense. 24, ouais, dommage, ouais. Plus 10%. 26 environ. C'est pas mal. On commence enfin à pouvoir se construire donc un petit arsenal. Bah écoutez, je vous dis à la prochaine pour l'épisode suivant. Donc je verrai le thème, soit ce sera un speed building de, parce que cette base là est vraiment moche, ou soit ce sera une petite exploration dans les souterrains, ou ce sera complètement le deuxième boss. Écoutez, mettez vos préférences dans les commentaires, je lis et je m'adapte. Mince, je voulais mettre une torche, bah tant pis, voilà, bâton lumineux. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien,